C'est la campagne où je joue mon moine. D'accord. Bourbon Saké. Moine. Bourbon Saké. Oui, Je suis Bourbon fatigué. Saké. Hein. Oh putain. C'est un alphelin moine. Campagne Baldur's Gate? Campagne, D&D. Campagne JDR papier. Oh mais D&D. Ouais. Faudrait que j'essaye un C4 un JDR. Eh ben écoute, je suis en train de préparer un one shot. Que tu pourras tester si t'as envie. Bah, je sais pas, tu m'en as même pas parlé du premier, donc je sais pas si t'as envie de moi quoi. Allez, t'inquiète, tu feras partie de la shortlist de ceux qui m'ont cassé les couilles parce que j'ai fait un truc sans eux. Ça va être qui? Ça va être moi? Ça va être qui d'autre? Ah, y a Kaz dedans. Hein. Kaz? Kaz et Elvi. Ah bah super, ça va, c'est une bonne équipe. Bonne équipe. Ouais, je choisis que les meilleurs. Et Orwen aussi parce qu'il a dit que il était la valeur. Du coup, sur le Teco, parce que j'en avais parlé quand il était là, qui était en mode web, tu m'en parles en mode pièce rapportée. Donc ça a été la valeur pièce rapportée. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Que c'était ça, c'est quand même... Bah après, moi j'en ai fait qu'une fois il y a très longtemps et c'était. Donc j'y connais rien, mon GDR. Je suis un gros novice. Hein. Nice. Bah, le one shot est là pour ça. Okay. Le one shot, c'est fait pour en fait te donner une idée un petit peu de ce qu'est le JDR et de donner un peu l'idée de comment ça va se passer. L'idée en fait, c'est que ça va être une campagne de one shot qui va se dérouler. Alors, si je fais la campagne que je veux, qui va se dérouler dans l'univers de ma campagne principale que je suis en train de préparer wow. Et qui se passe un peu en parallèle en fait de ma campagne. Donc, okay. Vous pourrez voir en fait une des grandes villes de la région avec un endroit particulier. Voilà, ok, trop bien. Le bago, en tout cas, je t'ai invité ou pas? Non. Si, j'avais pas entendu. Voilà, c'est bon, je rejoins. Allez, avec un peu de bol. Non, jamais. Hein. Non, jamais. J'ai vu le titre, je me suis dit, c'est présomptueux ça. C'est pour du coup là, ça. Je vois pas ce que tu veux dire. Je vois vraiment pas ce que tu veux dire. Après, enfin, je veux dire, si vraiment c'est beau d'y croire, hein. On veut passer à autre chose, on peut jouer à Wilder Mist la prochaine fois. Tu vois, y a pas de soucis. Et rester sur un truc pas fini. Non, on finit. Tu peux avoir mon personnage? Oui, capitaine. Non, parce que je vois que tu me le donnes pas, donc du coup... Tu viens d'arriver en même temps. Genre, ça fait 2 secondes qu'il est arrivé, il avait déjà son perso, non mais... Eh, c'est ce que je suis pas d'être arrivé, quoi. C'est ce que tu me fais sur Solasta. C'est vrai. Sur Solasta, t'as à peine arrivé, j'ai déjà... Oh, ouais, une réclame. Pardon? C'est vrai, j'adore réclamer. Donne. Y a besoin de faire des courses ou c'est parti? Non. Non, papa. Go, let's go. On va au sommet. Vous laisse pas le choix dans la quête, hein. Ouais, de toute façon, en même temps, on n'a pas voilà. Le choix. C'est peut-être la dernière. Non, on a déjà dit non. Si, allez, laissez-moi espérer, s'il vous plaît. Non, ça fait un an et demi qu'on est sur ce jeu. Ah mais. Vous vous rendez compte que ça fait un an et demi qu'on est sur ce jeu quand même. Incroyable. C'est beau. Hein. C'est beau. Oula. Oh non, je sais jamais ce qu'il faut faire. Moi j'oublie les rochers. On escalade la crête. Nice. Ah. Full esquive, il se passe rien, on est heureux. Voilà, on y va avec tous nos points de vie comme ça sur le boss là. Le dragon, monsieur. Ah oui, c'est vrai qu'on avait fait le petit point la dernière fois. Le petit point. Allez. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Il y a toute une partie de la map où on n'est pas allé encore. Il n'y a aucune raison qu'on y aille. C'est vrai, écoute, c'est vrai. C'est peut-être la région du DLC. Non. Et comme on l'a pas. Exactement. Qu'est-ce que j'ai pris comme quête? J'avais fini le jeu, donc autant pas le finir. Non. Et d'ailleurs, il y a Wildermint à gagner là dans les giveaways. Ouais, j'ai vu. J'ai mis un petit pouce. Déjà acheté. Ah, moi, c'est Sefa qui me l'a offert. Oh. Je l'ai acheté et j'ai même essayé de gratter. Un début de partie solo en Orwen, tu vois. Alors, mais de toute façon, ouais, bon. Ce que je vais faire de toute façon, c'est que je vais faire un stream sur le tuto. Parce que je vais faire le tuto et je ferai un stream sur ça. Parce que ça a l'air un peu long, donc ça peut être intéressant. Et après, derrière, bah, je pense que l'équipe, elle est faite. Hein. C'est vous deux, Sefa et Rosa. Si Rosa, le tuto, non, ça lui plaît. Chier, ça va être trop bien. Le seul truc, c'est que j'ai l'impression qu'il faut commencer à 3 et tu récupères que le 4ème et le 5ème plus tard. Ah, quel dommage quoi. Faut que je regarde. Mais quel dommage, on doit attendre 2 heures avant de laisser Sefa jouer avec nous quoi. Quel dommage. qui a dit que c'était Sefa le 4ème ou 5ème? Bah parce que voilà. C'est un peu Orwen. Orwen il est trop gentil. Oh. Alors, où attends, c'est quoi le. Pourquoi il faut choisir des cartes là? Ouais, c'est déjà la bagarre. Oui, c'est déjà la bagarre. Ok, c'est bon, j'ai eu peur. C'est en mode maintenant, rendez-moi votre argent. Oh putain, c'est des démons de la nuit.
Oh, il y a relevant de glace. Oh, je les aime pas. J'ai pas fait la blague. C'est des démons de la nuit, ils vont bouffer tous les... Coucou Oshi. Oh, il y avait longtemps Oshi, hein Oshi. Est-ce que t'es fier de moi? Je suis fier. Oh. J'ai envie de petit pleurer. Oh. Ok. Est-ce que tu veux la place de Aldo? 1, 2, 3, non, c'est pas la peine. De toute façon, je sais pas pourquoi je réfléchis, chaque fois je fais la même chose. Je pense que je vais faire ça. Et... Ah, elle est là, voilà, cette carte est là. Elle est où? Elle est là? Non, c'est pas elle que je veux. Elle est où celle que je veux? Elle est là, celle que je veux. Ok. Ok. Okay. Je vais faire un tour roulant avec Aldo, c'est rare. J'ai besoin de remonter Normandie dans la famille, donc... Hein? C'est quoi Normandie? Je comprends pas ta phrase aussi. Ça faisait longtemps, mais là j'ai eu besoin de remonter Normandie dans la famille. Peut-être qu'il s'est trompé de mot et Normandie, en fait, il voulait dire... Ah, il a... Non, Normandie, c'est son PC, je pense. Il a remis, donc il a... Ah. C'est ça, voilà. Donc rien à voir. C'est pour ça qu'il profite, il a son PC. Aussi. Si, si, si. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Bah ça va bien et toi? Bonne année aussi, je t'ai pas vu depuis. Bonne année aussi. Bonne année aussi. Oui, ils ont pas changé les deux, hein. Ils ont pas changé. Oui. Oh là. Invisibilidad. Les soirées Gloom Event Surprise, c'est les meilleures soirées, je trouve. Sauf que c'est pas une surprise. On en a déjà parlé. Moi, c'en est toujours une. Hein. Oui, pour toi, c'en est une. Ah mais tu sais que j'étais trop heureux quand j'ai vu pour le JDR samedi, que j'ai vu ça hier soir, j'étais en mode oh, mais attends, il reste que 3 dodos dans le prochain JDR. J'étais trop heureux. C'est trop mignon. Il vous dit bonne année aussi, Oshi. Bonne année. Ouais. Oshi, Oshi. Président. Oshi. Après, il y a un coffre, tu l'as vu? T'inquiète, c'est le premier truc que j'ai vu. Attendez, l'horreur ailée, c'est ce truc de merde là? Non, l'horreur ailée, à mon avis, dans la salle du fond. Ouais, la salle du fond. Pas envie. Comment ça se passe alors pour l'instant aussi? T'as fait des visites d'appart déjà ou pas du tout? Avec les fêtes, c'était compliqué? Mais tu... Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que j'allais devoir te frapper. Pas encore? Tout va bien. Regarde, par contre, il y en a un qui va devoir taper lui. Bam! Je te la vis, c'est pas grave. D'accord. C'est la petite pété. Alors. Bah écoute, je croise les doigts pour toi aussi. Croise les doigts. Ton boulot commence quand? Officiellement? Oh. C'est quoi la quantité de boucliers qu'il y a là-bas là? Putain. Oh, il joue tout seul. Oh. Lundi prochain, ah oui. Attends, t'as dû rentrer en urgence rentrer en urgence chez qui ou à Clermont? Tu diras. Ah ok. Je sais pas si je finis l'autre ou si j'entame. Ouais, j'en finis un. Ouais, finis-en un. D'accord. Ouais, finis-le. Ouais. Les affaires, je boue. Ah bien, ouais. Oh, y'a de l'argent. Est-ce que vous pourrez me laisser ouvrir la porte, s'il vous plaît? Bien sûr. Bien sûr. Merci. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Je pense que je vais faire ça. Ah putain, j'imagine, ouais, pour que tu... Ouais. C'était la mitraillette, ça. Ça va pas faire rien. Non, ça fait... Tu peux quand même, quoi. Ok, j'avoue, ça va faire rire. Ça l'a fait rire, en fait. Je dirais votre abonnement. Oui, non, c'est bon. Je tape pas le méchant, hein, je tiens à le dire. Et on est étonné parce que... Bah, je vous préviens juste. On est étonné, on est étonné. Oh non.
Bonne chance avec le démon. Ouais, pareil. Ouais, pareil. Attends, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, c'est bon. Hop. Petit rat. Pat, 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 pat. Ah, c'est des déplacements difficiles. J'ai... Merde. Ouais, c'est... ça va être chiant ça. Oh, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, j'ai des bottes. Hop là. Et tout le monde le sait, si tu as des bottes. Bah, si tu as des bottes. Oui, un coffre. Oh, putain, ça donne l'argent. Oui, ça, on le sait aussi, ça. Ça te fait plus qu'un peu d'effet, là, l'argent, là, quand ah, même. Ah, j'adore l'argent. Ah, oui, hein. La team, je me casse, j'en peux plus. Non, non, merci. Non, merci, pas envie. Bonne chance, Tsu. Brigitte, elle va courir et Aldo va courir. Hein. Brigitte va être loin et Aldo va être invisible. Voilà. Allez. Après, dans 3 salut. Minutes, il est mort. Bah oui. Alors, on fait ça. Bon, t'as été gâté à Noël aussi, t'as eu quoi? Parle-nous un peu de tes cadeaux de Noël. Ah, ça fait quand même que 3, mais il saute. Refait. Ouais, parce que... Voilà. Ben ouais, je comprends pas. Non, moi, bah oui, ton futur appart. Ouais, c'est bizarre. Putain, je te plains, il va falloir que t'ailles à Ikea, du coup. Et attends, tu vas annuler ? Trop tard, je crois. J'avais essayé d'annuler. J'avais déjà annulé. J'avais essayé d'annuler tout à l'heure et ça faisait... D'accord. Bon. C'est pas grave. Oui. C'est pas grave, j'ai mal, ça aussi. Une idée. De toute façon, ils se déplacent de 3 et ils font une attaque 6, je veux dire. Oh, il va faire une attaque en zone, ça te fout ma gueule, ça. Là. Ouais. Mais déjà, il n'y a plus d'ombre, j'ai enlevé l'ombre. Ça, c'est bien, ça. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est toi qui l'as déplacé, je comprenais pas ce qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se cracher, il va réfléchir à son comportement. C'est nouveau les notes là sur le bard. Terminé. Non, non, c'était déjà la dernière fois. J'avais pas fait gaffe. Je vais le terminer finalement. Ouais. Hein. Oui, bah oui, t'as bien, hey, t'as bien raison aussi ça. Ah, dommage, je vais pas le terminer. Ah bah finalement. Non, en fait. T'as bien raison pour ça aussi. Bon. Comment ça, le dernier Eragon? Le dernier Eragon? Bah, le dernier? Mais le dernier date d'il y a 20 ans. Comment ça, il y a 20 ans? Voir Masatora contraint de combattre la tutulaire. Arrête! Ouah, il y a un nouveau Eragon! Oh mon dieu. Il me le faut. Ah oui, il est le livre Mutag qui est paru en 2023. Oh mon dieu! Trop bien, trop bien, trop bien. On a perdu Orwen. Bah évidemment. Tu vas prendre la glace Orwen ou pas? Oui. Ok. Sauf que je suis la veux hein, mais... Non non, moi je n'ai pas. C'est pour ça ce que je prends quoi. Ou alors ai-je une autre brillante idée? Non. Mais comment je joue vite là? C'est un truc de malade. Attends, je peux faire ça. Ah non, ça sert à rien, c'est de la merde. Ah putain, c'est classe, ah ouais. Et ça... Ah ouais, c'est classe la version de luxe, ah ouais. Bah ça part en version de luxe aussi alors. Si au Chine, il n'y a pas de raison que je l'ai pas. Eragon. Ah ouais, tome 5, c'est vrai que je l'ai pas lui. Attends, je sais vraiment pas. Ah, il est sorti en novembre. Ah oui, c'est ça. Le blabla, c'est 20 ans après l'apparition des dragons. Oui, évidemment. Commandez. Alors, rapidement, demain, 17h. Ça part en prod. Ah, du coup, ce qui est bien, c'est que t'as le temps de commander parce que Tsu n'a pas encore joué. Hein. Mais je. Ah, et moi, j'ai déjà joué. Hein. Oui, mais c'est ce que je dis. On notera.
aspect notable. On note que toi, on peut compter de plus en plus sur toi, alors que dessous, de moins en moins, quoi. Ça fait deux fois. Non, mais parce que c'est de la merde. Dans la même journée. Non, mais prends ton temps, champion. La bite. Prends ton temps, Wren est en train de faire sa commande. C'est clair. Je suis en train de dépenser tout mon argent. Oh, mais il est génial cet évolu mécanisé. Oh, mais non, mais. Mais non. Bah, si, hein. Non, j'ai envie de petit pleurer. Ouais, d'accord, que je mets de la vie, je sais plus que. Ok. Vas-y, il va m'immobiliser. Ah, attends, si. C'est parce que je... Ah, j'avais trop bien calculé. Tant pis. Est-ce qu'il fait mal, lui? Ah, pour tes 3. Si le 3. Ah. Non, t'es mort en fait. Oui. Pourquoi il a fait un bruit de chèvre? Bon appochi. À plus tard. Bon appochi. Bon app. Un bruit de chèvre. Je crois que j'avais pas fait gaffe quand mon il avait fait un bruit de chèvre. Ouais, hein, je crois que je vais détruire une carte. T'apprécies? Bof. Bof? Pas plus que ça. Et en plus, il m'a mis pied. Il m'a mis pied. Il m'a mis pied. Alors que j'avais prévu de faire des trucs incroyables. Ouais, si, je crois que c'est ça que je veux faire. Ouais, c'est ça que je veux faire. Oh putain, il sait pas ce qu'il veut. C'est trop tard, c'était avant qu'il fallait faire ça. Bah, c'est un bon prochain tour. Maintenant, je suis pillé. Je ne peux rien faire. Oui, t'as vraiment rien à distance. Bah non, moi je voulais traverser le piège et taper de toute ma joie. Tu es un pied, Harry. Ouais, je vais réfléchir à qui je vais prendre pour Wildermuth. Ah, attends, de jaloux et de raciste, quoi. Alors, moi je voulais faire quoi à la base? Ça. Oh. Démonte-le! Il a osé me mettre pied! Ça. Oh! Arrête, oh, c'est pas grave. Oh, à une autre attaque, qui est à distance. Et comme je suis au cac, je me reprends la riposte. Voilà. C'est un détail. Et voilà. J'ai réussi à le blesser, c'est beau! Mais je l'ai blessé tout à l'heure déjà. Non, mais je veux dire, t'as réussi à le blesser, à lui faire des dégâts. Ah. Comment je vais faire pour passer, moi? Parce que du coup, j'ai plus de trucs pour... Oh. Non. Bah tant pis, je vais rester là, hein. Tu peux ouvrir si tu veux, Soyan, je pense. Bah, je vais te buter avant. Ok. Enfin, peut-être pas le buter, mais au moins... Bah je vais essayer de jouer avant toi pour... Je vais jouer très 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 vite. Très vite. Ouais. Ah merde. Oh non, à un près. Je l'avais dit. Oui, il l'avait dit en plus. Ah oui. Mais il est mort. Ah limite, tu peux rentrer dans la pièce. Ouais, c'est ce que je veux faire. Très très bien ça. Hop. Oula! Assez attaque. En le en. Et c'est pas derrière ça. Et. Invisible. Il y a encore une salle après. Cool. C'est vrai. Et moi j'ai un coffre. Mais je suis coincé. C'est la vie que j'ai choisie. En quoi les pièges? Stun et. Zéro dégâts. Bah, ouais, ils font que stun. Coucou Rosa. Coucou. J'avoue en vrai. C'est peut-être la dernière Rosa. J'espère tellement fort. Stun. Vas-y, je Oui. Oui toi, t'as passé une bonne journée. Oh non.
Ah bah je serai quand même stun au prochain tour. Bah écoute, moi de toute façon, en étant fufu, je les empêche d'avancer. C'est vrai. C'est dommage parce que déplacement 5, ça aurait été trop fun. Bah ils disent que non, moi j'espère que si. Et en plus, si on finit, ça veut dire Wildermint. Au moins le live pour le tuto, pour que tu vois si ça te plaît ou pas, Rosa. Après, voilà. Bah, ils sont coincés. Ouverte. Ne faisons rien. Faites rien plus. Faites plus rien plus. Ouais. Ouais. Oh ouais, il t'a bloqué. Yes. Il s'est auto-bloqué et ça, c'est beau. Non, en tous les cas, je pouvais pas faire grand chose, j'avais pas la portée. 1, 2, 3, 4. Non, j'avais pas la portée en tous les cas. D'accord. Laisse-moi penser ce que je veux. C'est parce que je voulais de l'argent. Je vais venir dans le piège, c'est vachement fun. C'est parce que je voulais de l'argent. Sachant qu'au prochain tour, je bouge, hein, donc. Au prochain tour, ouais. Ce serait stun. Ah! Je pense que je fais un repos long en plus hein, sur Brigitte en vrai. Ouais. Ouais, c'est un repos longué. Hein. Un repos long juste devant les mobs. Bah, Brigitte, elle a pas trop le choix là. Je suis fatigué. Elle a envie de dormir là. Ah, non, je vais pas jouer vite. Ça, tu vas jouer vite, Non. Soyan? Bah en vrai t'as raison de jouer le plus lentement possible. Bah non, je joue avec ce que j'ai. C'est oui, pas, ouais, c'est pas une question de je vais faire chez dessous ou pas. J'aimerais bien faire chez dessous, mais en fait c'est juste que je joue ce que j'ai quoi. T'inquiète, tire naturellement. Voilà, ça me plaît ça. C'est pour des deux petits mots d'amour. Est-ce que, ouais, je pense que je vais la poser sur le démon du Vendée. Tu peux passer sinon, hein, moi je t'empêche, ouais. Je te bloque pas en fait. Tu peux passer devant moi, je te bloque pas. Il très bonne 4 tours comme ça. Voilà. Bon, et ça c'est perdu, mais. Ouais, mais c'est pas grave ça. T'as bien raison. Je voulais juste poser la marque sur le démon. Ah là là. T'as de quoi devenir invisible après? Oui. Nice. Potote. J'avoue, ils font un peu peur sinon, les méchants. Ah bah voilà. Et il est re-invisible tout seul. Oh, stun! Beau! De façon naturelle en. J'ai envie de dire en. C'est la décadence en. Bah oui, j'ai un truc d'invisibilité qui s'est déclenché. Donc, yeah. Même pas besoin d'utiliser mon truc. Voilà. Au fort. Oh non, ils peuvent rien faire en. On est coincé, je ne sais pas pourquoi. Oh mon dieu. Ah, il décide de se déplacer quand même. Zog, 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 zog. Zog, 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 zog. Attends, mais il a. Ah, il dépasse ma case. Ouais, mais il passe par une case terrain difficile. Ouais. Effectuer un repos long. Alors, je vais jeter quelqu'un. Ça là, j'aime beaucoup. Ça là, j'aime beaucoup. Oh non, ça recommence. Ça là, j'aime beaucoup. Ça, là, j'aime beaucoup. Et là, je l'aime vraiment beaucoup. Donc ouais, la semaine prochaine, il y aura un stream Wildermint le tuto. Oh. Voir comment ça se joue, voir si ça peut te plaire ou pas. Là. Ah, on fait tout ce tuto alors? Bah, moi, je vais le faire en live, pour voir, pour okay. Montrer. Après, derrière, vous le faites quand vous voulez, vous. Let's go, trop hâte de le faire. Après, ça se trouve, on va le faire 6 mois trop tôt, parce qu'il y a encore 6 mois de quête, tu vois. 100%. Moi, j'y crois pas. J'y crois fort. C'est beau. C'est beau, c'est j'y beau. Crois absolument pas. Ça je l'adore, ça je l'aime bien. Ah ça, ouais, après ça se plaint quand je le fais, super. Ah, toi tu fais tout le temps. Oh ça, non, pour tout quoi. Ça j'aime bien. Ah, moi. Rosa, je suis sur le dernier chapitre ça, de Astral Chain. Je me dirige vers le boss de fin. Ah, c'est le dernier chapitre. Dernier chapitre. tu vas te servir des ténèbres? Attends, qui est disponible directement? Ah oui, ok, j'ai compris. Je sais pas encore, pourquoi?
D'accord. Brigitte, Elston ne vient pas bouquer ici. Par du principe que oui. Et si je demande gentiment? Ah putain, j'ai trouvé celle-là. Chier. Bah voilà, donc je peux le récupérer. Hein. Non. Par du principe quand même que oui. Dans ce cas-là, je vais faire quoi? Je vais faire ça parce que c'est trop rigolo. Into. Ah, Into, ça c'est vraiment. Bah écoute, apparemment oui, on sait pas trop ce qu'elle a fait, mais apparemment oui. J'avais raison. Je fais ça, j'ai pas besoin de ça. Bon, Brigitte Elston, le vilain pas beau qui est ici. Attends, je vais annuler l'aide. Que ça se trouve. Attends, Elston, le vilain pas beau? Oui. Je vérifie si ça fonctionne bien, c'est ça? Oh, coucou Sefa! Du gueuloum. Oui, ça fonctionne. Coucou Sefa. Ouais, on est. Enfin. Moi j'espère que c'est la fin. Non, eux disent que non. C'est la dernière quête qu'on a, donc du coup pour moi c'est la fin. Oh là là, quand tu vois qu'on va débloquer trois quêtes là. Je sais, ça fait trois fois que je sais. Mais laissez-moi espérer, bordel. Non. Mm-hmm. C'est plus ce que je voulais faire. Moi je suis là pour briser les rêves. Je sais que je. Pfff, alors. Satsu, ça on le sait que t'es là pour briser les rêves. Allez, y a pas... Y a pas que les rêves que tu brises. Titre de ma sextape. Il n'y a pas que les rêves que tu brises, ça je te le dis. Oui, titre de ma sextape. Non mais ça suffit là. Oui, on a réussi à le faire. On a réussi à comprendre comment on faisait, on a réussi à le faire. Et ouais, parce qu'on est vraiment trop fort. Ouais. En fait, il popait toujours dans un sens particulier, il fallait être suffisamment loin pour qu'il puisse pas te taper. Et quand le peu qu'il apparaissait, on lui envoyait tout ce qu'on avait dans la gueule. Attends, pour être sûr. Un truc là. 1, 2, 3, 4. Je vous laisse le premier? Ouais. Ouais. Ah, mais c'est au cac, ça va, y'a que Swan qui va prendre. C'est... Ouais. Ah. Y'a que Swan qui prend. Ah oh, oui! Ah, oh, j'aime beaucoup. Oh! Cible de plus. Hop là. Non. Ah, tu peux pas taper le démon de Givre là? Non. Bah non, sinon, parce qu'il est au cac. Il va répondre. Parce que. Non, mais pas lui, mais le chiant là, l'élite. Non, j'étais pas à portée. J'étais pas à portée. Ok. Mais en vrai, il serait mort en deux tours là. Ça aurait été stylé. Il est. Et bah, il sera mort en trois, c'est pas grave. Oui. Bah là, il va se rapprocher donc. Ah. Voilà là. La riposte. T'es mort. Ah non, j'ai plus les ténèbres. Ah, j'ai des ténèbres! Oh oui. Ça va aller voler salement. Bah oui, je vois ça, ouais, je m'en doutais bien. Pour ça que j'ai pris une carte qui les remettait. Watch me voler les ténèbres. Bah non, j'ai fait exprès d'en mettre une carte qui les remettait. Quand tu dois commencer à jouer autour du fait que Corwin va te voler ton élément. C'est ça. Tu utilises un seul élément du jeu et il faut que tu fasses gaffe parce que si tu joues après Orwen, tu l'as plus. C'est ça. T'as des mobs qui peuvent te le prendre et Orwen. C'est pour les mots. Comment ça va, Sefa? T'es toujours en vacances ou t'es revenu, ça y est? J'ai du mal à ce putain, là. Dis pas ça, Rosa. À la fin, chapitre 1 terminé, dis pas ça. T'as dit quoi, là-dessous? C'est trop loin, lui. D'accord. 2, 3, 4. Je peux. Vas-y, je pense que c'est mieux. D'accord. Bah oui, je t'ai vu jouer sur, ah oui, sur Sea of Star. Du coup, t'en penses quoi de Sea of Star, alors? Ah oui, la main. Oh. Tu vois, je te mets de la glace sur Yann. Ah, voilà, ok, bah j'ai ma réponse. T'as bien aimé ou pas? Attends, qu'est-ce que t'as voulu dire que le truc a fait? C'était trop bien, ok, trop de caps, le bot a pas aimé. Est-ce que je peux l'afficher? Non. Exactement, voilà. Ok. Ok. Bah ouais, j'ai vraiment trouvé sympa. Ça et l'autre là, je sais plus comment il s'appelait. Jean-Michel. Non, l'autre RPG Jean que Bomber. J'avais fait aussi, qui était pas mal non plus. Boum. Et bah, écoute, je suis bien content qu'il t'ait plu. Bah, c'est vraiment cool, Sea of Stars en vrai. C'est un des jeux de l'année, un des pour moi, c'est celui-là quoi. Je suis d'accord. Et un autre là, il y avait un autre aussi, un RPG comme ça, qui reprenait les codes de Chrono Cross. C'était. Ah, je sais plus. Ouais, c'est ça, Sea of Stars, c'est ça. Il faut le nom de l'autre là. Travail.
Sandwich. Game Pass, le Game Pass il est où? Ah, j'ai pas encore fini moi donc. Pas du tout. Oh, non, t'es mort. Toi, ah oui, je flotte dans les airs. Cesse de flotter dans les airs. Je suis dans. Je vole dans les airs. C'est pas ça. Ok. On va faire quoi? On va faire ça. On peut faire ça, la rigueur, c'est bien ça. Comment il s'appelle? Avec ça. Bon, je vais jouer mes cartes d'abord, j'en aurai. Si tu veux, je m'occupe du bas, tu peux continuer à monter, Soyan. Bah, t'as qu'à distance de toute façon. Ouais, c'est bien ça. 3. Là, je vais aller chercher du coup. T'as puis à la fin du mois, il y a Like a Dragon qui sort aussi. Oh yeah. Alors. J'avais aussi joué en live, mais j'arrive plus à retrouver son nom. Putain, c'est lequel? Ah tiens, c'est Nino. Ah, ceci. C'est très bon jeu, ça aussi. Non, ouais, non, les Yakuza comme ça, j'aime pas trop non plus les beat'em all. Mais le Like a Dragon, j'ai adoré. Et il y a la suite qui sort à la fin du mois. Et il y a Grand Blue Fantasy Rolling aussi, début février. Enfin, c'est encore une année de merde. T'as encore une merde. Ah, il y a des pièges partout. Étourdissement, étourdissement. Après, tu peux marcher dedans, c'est pas trop grave. Hein. Super. Yes. On l'appelle le démineur. Non, il va mourir tout seul. Nightingale fin février, putain. Une merde. Ah non, je suis pas d'accord. Hein. Si, quand t'as trop de bons jeux et que t'as pas le temps de tous les faire, c'est une année de merde. Ouais, mais bon. C'est l'année du renouveau, quoi. C'est l'année où il y a deux beaux jeux Atlus qui sortent, quoi. La vie est trop belle, putain. Ah, donc c'est encore des jeux de merde, quoi. Non, c'est pas, très bien. C'est pas ceux-là sur lesquels je comptais. Bah écoute, hein. Une nouvelle franchise plus. Enfin, un jeu qu'on attend depuis longtemps. Oh non, il est trop mort. Le pauvre, il allait mourir tout seul. Tu le laisses pas souffrir comme ça. Hop, voilà. Yes. J'ai un patch F14 fin janvier et FF7 en février, oui. C'est vrai qu'il y a FF7. J'ai toujours pas fait FF7 de base, il faut que je le fasse quand j'aurai de nouveau accès à la PlayStation 5. J'ai fait un truc que je fais rarement sur mon personnage. Tu vas te déplacer ? Me déplacer de 8. Waouh! Ah, tu peux aller direct sur la thune là-bas? Ouais. Comment il s'appelle ce jeu? J'arrive pas à le retrouver. Déjà 16 pièces d'or sur, sur cette partie-là avec Brigitte? J'en suis déjà à 30. Par rapport au fait que j'ai pris un coffre, tu sais. Ah, bâtard. Allez, bisous. Tcheneko, merci. Merci, merci Rosa. C'était Tcheneko que je cherchais. C'est bon jeu. De toute façon, tu pourras pas te déplacer. Hein. Je sais. De toute façon, je prends un repos après. Le FF7 remake, je l'ai pas encore fait. Oh, putain, t'es reparti sur Dyson Sphere Programme aussi. Ouais. Ouais, Tcheneko, c'est pareil, il faut que je le finisse aussi. Je l'ai pas fini. Là, je finis Astral Chain d'abord, et après, je vois ce que je lance. Il y avait aussi The World Ends With You aussi que j'avais commencé, perso. Il faudrait que je termine un jour. Je finis Astral Chain et j'espère peut-être avoir la PlayStation 5 suffisamment longtemps pour Horizon Forbidden West.
Mais ça, c'est pas gagné. Il y a une madame qui est déjà à 120 heures ou 130 heures dessus, si c'est pas plus. Ça, toi, Soyan. Mais je crois que tu peux rien faire. Et je faut. Pas tout. Je sais pas pourquoi, mais le boss, l'horreur ailé qui est dans la salle d'après me fait un peu peur. Non, t'inquiète. Je me dis que là, les mobs, ça a été plus. Oui, aussi. Il y a pas eu de. Elle m'a regardé avec un petit sourire, genre on verra. Voilà. Mm-hmm. Non, parce qu'on me demandait s'il y avait une réaction à ce que j'avais dit. Et tu. Voilà. Non, ce que je disais qu'après, peut-être si j'ai accès à la PS5, je pourrais faire Horizon Forbidden West, mais c'est pas gagné. Qu'est-ce qu'il fait? Oh. C'est presque oh, ça, le Rosa. Tour. Oui, Oshi, oui, moi aussi. Bah, Oshi, il faut qu'il trouve son appart, et après, il faut qu'il récupère une aide, donc c'est peut-être pas tout de suite. Mais oui, il y a aussi Solasta à finir. Parce qu'il y a plusieurs scénarios sur Solasta aussi, donc. Profitez, c'est rare de voir mes deux personnages devant. Mais j'avoue. C'est pour ça qu'on t'a laissé passer. Ouvre la porte. Mm-hmm. Après, il y avait de la thune. Brigitte, elle se repose ce jour-ci. Oh. Moi, je dors. Bah, moi aussi. Je vais chercher à boire. Hop. Nice. Vas-y, tiens, je dors aussi. Non. N'ouvre pas la porte. Hein. Je le dis, Aldo n'ira pas ouvrir la porte. N'ouvre pas la porte. Il repose long aussi. Hop. D'accord. Voilà. Bah bon mucus alors, bon courage avec Gwen. Le mucus c'est pour Monster Hunter, je dirais. Mucus. Est-ce que quelqu'un a réussi à faire le bingo de Gwen? Le bingo de Gwen? C'est quoi si, t'as accès au Discord des licornes? Oui, je crois. Rosa a fait un bingo. Un bingo pour Gwen parce qu'elle dit toujours le même truc sur Monster Hunter. et du coup, il a fait un bingo et Sephiroth n'est pas loin. Ah, n'est pas loin. Il est assez sympa. Si tu peux le retrouver, il est assez sympa. Ah ouais, mais je pourrais esquiver. Parce que moi qui ai déjà joué avec Gwen, la moitié des phrases, quand je les ai lues, je l'ai entendu avec sa voix en fait. je sais pas quoi faire. Tu vas voir, je vais aussi relancer Monster Hunter, plus personne n'y jouera. 100%. Mais c'est pas vrai, on joue avec toi. Par contre, t'as peut-être pas un nouveau perso. Les cartes que j'ai là, je les aime bien. Je sais, Sefa. Je comptais pas te demander pour Monster Hunter. Allez, hop. Par contre, comme on peut jouer à 5 à Wildermyth, Sefa, tu es considéré dedans. Hein. Et la team, ça serait c'est Tsu, Orwen, toi, moi et Rosa, si le jeu lui va quand je ferai le tuto. Faut juste que je regarde comment ça marche à 5, parce qu'il s'est marqué qu'on peut jouer jusqu'à 5, mais qu'apparemment tu commences à 3 et tu récupères le 4ème et le 5ème plus tard. Donc faut que je regarde... Ça marche? Oui, ça. Waouh. Wow. Je me rapproche, mais j'ouvre pas la porte. Mmh. Sauf si quelqu'un veut ouvrir la porte pendant ce tour. Mais... Je pourrais te faire ouvrir la porte si tu veux et te faire reculer. Est-ce que tu veux ouvrir la porte? C'est plus ça. Oui. D'accord. Et c'est long pour récupérer le 4ème et le 5ème? Bon, allez, on s'en fout. Parce que si c'est pour. C'est un peu con s'il faut attendre 2h ou 3h ou 4h pour récupérer les autres, quoi. Tu veux ouvrir la porte ou je te fais ouvrir alors? Non mais je compte, enfin je peux. La question c'est est-ce qu'on veut l'ouvrir, c'est plus ça. Bah oui, on a tous récupéré nos cartes. Ok. D'accord, ouais, donc il y aurait quelques maps à faire avant. Si Soyan ne peut pas venir jusqu'à nous ce tour-ci. J'avance de 3, donc moi vous m'attendez pas. Ok. Ah bah sinon on fait bouger Soyan en vrai. Ouais, je peux faire bouger Soyan. Alors attends, si tu peux me faire bouger, alors attends, je change mes cartes alors. Il va jouer méga lentement par rapport à toi. Ouais. Oui mais je peux jouer lentement aussi, c'est pas un problème. Et ouais, mais je pourrais pas te faire déplacer si t'es trop loin. Et Brigitte est trop loin. Attends, faut que je change mon tour. Ah, il faut que je joue avant ou après toi? Ça a l'air compliqué à jouer, ce soir. 1, 2, 3, 4. Si je me mets là, ça a porté 3. Oh putain. 1, 2, 3, 4. Ah!
Je peux venir là. Je peux venir là. Ok, bah si je te mets là, je peux te faire ouvrir la porte. Ouais, mais il faut qu'il soit vivant. Attends, qu'est-ce que j'ai un truc pour passer en... sur une carte du haut. Bon. Bon, bah écoute, on fait ça ? Allez. Ok. Bon, je vais compter que ok, tu bah il faut. Je vais faire le tuto la semaine prochaine en live. Là, pour une petite heure, enfin une demi-heure, une heure, pour prendre et tout ça. On verra à ce moment-là si Rosa ça te branche et puis après on verra comment on intègre tout ça. On va ça comme quoi ça. Qu'on aura fini Gloomhaven. Oui, jour dernier. Peut-être ce soir. Non. Mais non. Alors, on avait ça avec les bobottes. Je joue après toi dessous, tu pourras pas me déplacer. Si, je vais pouvoir te déplacer. 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'ai calculé pour qu'en fait, que peu importe que tu joues avant ou après moi, je puisse te déplacer. Ah, 48 PV. Belle bête, hein. Immunisé contre empoisonnement, désarmement, confusion et tournissant en malédiction. Stylé. Ouais, mais il est pas immunisé. Contre le bleed. Contre le bleed, voilà. Mais contre les malédictions, si. Donc, dans tous les cas, il va nous attaquer. Oui. Ça sent le boss de fin. Non, hein. Je suis un peu triste. Hein. Vas-y. Pas très beau quoi. Vas-y et boivonne-le de loin en dessous. Robbie le robot. Placement 4, attaque, portée 3, 2 cibles, dégâts 3. J'ai Robbie. Oh non, il s'enfuit le salaud. Ah mais là, normalement tu peux venir juste si, là, mais sans prendre de piège. Plus, même plus loin que ça. Ah, vas-y. Ah, tu utilises des items quand même. Utilise des bottes. Ok. Pour éviter le piège. Comme ça, je vais là. Là, je rentre et je passe Fufu. Ouais. Je me demande s'il faut pas qu'on fasse les deux vents de glace en premier parce que je crois qu'ils soignent. Si. On va faire ça. Portée 6, non mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? J'avoue. Ouais. Pas vent de glace? Finalement, c'est pas la marque que j'aurais préférée. Ouais. Ça aurait été bien d'avoir celle qui met 2 de dégâts à chaque tour. Ouais, mais c'est ça que je vais la poser. Je vais poser celle-là. Je vais me déplacer de 2. D'accord. Ça va être mieux. Je vais me préparer. Ouais, bonne idée. Bon, je vais prendre une douille à sourcil. Hein. C'est pas grave. Bah attends, mais il est dégueulasse, je l'avais pas vu de oui, près. Oui, il est moche, hein. Ah ouais, j'avais pas vu non plus. On dirait un étron. Sale, hein. C'est une horreur ailée. C'est vrai que c'est écrit dans le nom. Hein. Oui, j'ai le problème aussi. C'est enfin, j'ai la liste de 2023 que je voudrais faire. Hein? Rosa, il sait aussi, hein, parce qu'on a beaucoup de jeux qu'on a parlé, qu'on aimerait bien. Et il y a 2024. Et les deux. Non, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il voyait les fufus, j'allais dire, mais non. Après, j'avais mis Robbie pour pas mourir, je suis plutôt content du coup. Oui, je trouve que t'as bien fait. Ouais. C'est mon bouclier humain. On va faire ça. Il peut pas être empoisonné, je suppose. Bah non. Ah, il peut être bleed. Nice. Ouais, 2022, je sais plus ce qu'il y avait et je regarde plus. Mais ça arrive que de temps en temps, je ressorte un jeu, tu vois. Astral Chain, c'était 2019, je crois. Voilà. J'ai pas une état 3 à faire aussi. Il faut que je finisse. Je vais le frapper. Il m'a saoulé. Moi aussi. Oui, voilà. Vu ta façon de jouer, c'est fort, ça t'occupe 3 semaines, quoi. Invoque 4 E. Oh no. On peut le stun ? Non. Non. Oh putain. Bah je pense qu'on lui met tout dans le cul, hein, tant pis. Oui. Ouais, il faut l'avoiner le plus vite possible, quoi.
Ouais, péter sa race. Parce que 100% il va se poser des shields à un moment ou un truc comme ça. Ouais, là c'est d'accord. Oh yeah! Malédiction ça verra rien parce qu'il veut pas se faire malédiction. Mais c'est pas grave. Ça fait toujours plaisir, ok. Retire le vent peut-être. Oui, c'est ce que j'allais te dire, je te laisse l'ombre si t'en as besoin. Non, j'en ai pas besoin. Alan Wake 2 aussi qu'il faut que je fasse, mais. J'ai pas trop joué d'horreur, j'ai aussi Dead Space que je voudrais faire. Callisto Protocol que j'aimerais faire. j'ai tous les jeux que qui m'ont été offerts à Noël, là, qu'il faut que je fasse, que j'ai prévu de faire d'ailleurs. Quoi y a... There is no game Kaji m'avait offert. Wildermine que tu m'as offert. Il y a Trail of Mana aussi qu'il faut que je fasse. Ça va me prendre un peu de temps celui-là. En garde. Si. En garde. Mais en garde, c'est une grosse soirée, c'est une ou deux soirées. Je vais dire deux soirées parce que Rosa me connaît. Le jeu dure 4 heures, 4-5 heures, donc c'est deux soirées. J'avais testé la démo. Oui, le coup de ton stream de Man of Medan. Ouais, il faut aussi que je fasse des Beacon Humain. Il faut que je finisse aussi. Pète-lui sa gueule, vas-y Orwen. Non, tu bouges. Non, bouge pas. Non, non, il bougera pas. Non, il bougera pas, on est d'accord. Mange. Ok, on l'a déjà mis mid-life. Pas mal, pas mal. Et on va reprendre Deka. Et ce rayon. Ça. Après j'ai un autre truc de comme Medan là qu'Aurin à faire aussi. Gardien de la galaxie j'ai déjà fait et je crois que je l'avais fait. Je sais plus si je l'avais fait en live ou pas d'ailleurs. J'ai déjà fait. Ouais, il est gratos sur Epic, moi je l'avais eu gratos dans le Game Pass. Game Pass. Mais là c'est vrai que si tu veux le garder pour toi, il est gratos, sur Epic. Ok, là c'est le moment qui fait peur. C'est pas mal. C'est quoi ces œufs alors? Question. Au moment ils font rien. 4 PV, ils sont immunisés contre tout. Ok. Quoi ça qu'on propose qu'on focus On focus le mec hein. Oui. De toute façon il faut tuer que lui pour finir la quête donc. Oui. Ouais, je suis d'accord. Alors. On continue. Oh, je peux te piquer les ténèbres? Non, j'en ai absolument besoin là. D'accord. Si je veux faire des dégâts, j'en ai besoin, donc je suis désolé. Oh ouais, t'inquiète, c'est une question. Arrête de me piquer, ténèbres. Là, c'est une affirmation. Je crois qu'ils se sont pas fait chier, ces failles. Ils ont dit immuniser à tout, et voilà. Ouais, mais c'est un œuf qui va peut-être éclore. C'est quoi les prochains jeux qui arrivent sur Game Pass? Yapi. Persona 3 Reload en février? Oui. Ça, j'y jouerai pas, jeu de merde. Éclusion de tous les œufs? Éclosion de tous les œufs. Comment ça, mon veuf? Comment ça, éclosion de tous les œufs? Ah, ouais, c'est écrit, hein. On sait pas ce qu'il y a dans les œufs. Mais en plus, il tous les adversaires adjacents. Attends, quoi? Il fait des dégâts à tous les adversaires adjacents. Faut que je me décolle. Ok, super. Moi. Ah, bah sinon, je fais ça, en fait. Donc, tu m'as dit non, hein. Oui, je t'ai dit non. Il redemande quand même, au cas où. Bah, oui, sur un malentendu. Tira. Ok. Toute le. Donc. Là on lui met tout. Hein. Ouais. Il ne passe pas le tour. Oh oui. Voilà. Oh, oui, voilà. Joli. Joli. Le PoE Pass of Exile. J'ai jamais vraiment joué, j'attends plutôt le 2 pour me lancer.
J'ai joué un petit peu, mais pas tant que ça. Et bah du coup, bah, je vais faire ça. Comme ça, vous inquiétez pas, je resterai en vie si vous mourrez. Yes. Pas le but, hein. J'avais prévu de faire un truc marrant, donc je le fais quand même. D'accord. Yes. Je dirais qu'il l'a raté déjà. Tu penses que ça marche? Pour le plaisir. Je pense pas parce qu'ils ont pas d'attaque. Bah oui. Pour la science. Ah mais ça marche pas. Ah voilà. En fait de base je voulais le faire sur le groupe abo, si vous voulez pas. En mode pourquoi tu tapes tes potes les œufs? Voilà. Hop là. Bah non. Dégâts infligés, champ de vrai, zéro. Plaisir. Ah, un succès! Défaite du... Oui. Horreur ailée dans la campagne. Allez. Ouais, mais c'est pas la fin. Il y a plus de quête. Ah oh, putain, nouvelle de quête. Oh putain. Hop là! Putain. Oh putain, il y a... Ça me fait rire, oui. Une nouvelle zone de quête, putain. Terminé, désolé, il y a pas de néant sur ma carte, donc désolé, je ne vais pas dans le néant. Ah mince. Si, à mon talent. Oh, mais dis pas ça. Oh, je regarde juste si je peux pas m'acheter. Tu es l'ombre. Ah, quel principal boss? Allez. Allez. Say the line, Soyan. C'est la dernière. Attends, je m'achète un truc. Oui, c'est bientôt la fin. C'est de toute façon, je pense qu'il doit plus. Eh, s'il reste des quêtes, il doit plus en rester des masses non plus, quoi. Ah, il est vraiment sous opium, ça me régale. Je sais qu'on avait vu qu'il y avait 95 quêtes dans la campagne. On a fait 58. Voilà. J'ai tenté. Allez, Orwen, lance-le. Il faut attaquer l'ombre. Est-ce que tu poses facilement de l'empoisonnement, Orwen? Oui, tu poses facilement de l'empoisonnement, toi. Oui, parce que j'ai une dague, tu fais ça. Ouais, donc il n'y a aucun intérêt à ce que j'achète l'enchantement pour l'empoisonnement, ok. Ah oui, c'est vrai, je pourrais faire ça moi aussi. Je vais économiser alors encore. J'essaie d'avoir le bénédiction renforcement. Je pense que ça peut être fort. Sinon, j'achète ça. J'ai pas assez d'or pour acheter les... Ok. Et ça y est, j'ai fini. Donc, vous me dites quand vous êtes prêt. Eh. Waouh, il y a un coffre. Ah, tu es l'ombre en fait. C'est parti. 156 PV. Oula. Attendez. Attends, par contre, là, ça ressemble à un boss de fin. Alors, au moment de Zaka, l'entrée de l'os tordu avec une expression inquiète. Parle. Elle a toujours été pince sans rire. Change, mais c'est différente. Pour être empreinte de gravité. Puis que vous avez commencé à chasser les forces qui tentent de courir la relique à travers toute la région, je perçois une présence que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Bastien, le pauvre homme a toujours bien fait, mais la voix de tourmente faiblit alors que le sol a tremblé sous vos pieds. Chatoune, une secousse de faible intensité, mais dont la survenue vous trouble profondément. C'est la réplique la plus puissante jusqu'à présent. Elle se produit de plus en plus fréquemment et je crains le pire. Monde fait apparaître une poignée d'herbe et la projette dans les airs d'un geste rapide et précis. Les brins restent en suspension une fraction de seconde de retombée, pétrissant à veille du deuil avant de tout. Étant vide, articule-t-elle froidement. Profondément enfoui dans le néant, nous espérions tout ce qu'il était. Monde est de nouveau interrompu par une violence plus forte que la précédente et qui ne semble pas vouloir se terminer. L'ester vous pousse vers l'extérieur et vous voyez une énorme colonne de fumée noire s'élever au nord-est de la ville. Une petite sacoche remplie de ce qui ressemble à du sable et des petits cailloux.
Cela devrait vous protéger contre le plus haut de l'influence du néant. Vous devrez le retrouver et l'empêcher de réduire ce monde en cendres. Le monde refuse d'en dire plus, indiquant fermement la direction de la fumée. Ok, super. Mais ça ressemble à un boss de là, fin. Là, ça ressemble à un boss de fin, ouais. Voilà. Arrêtez de dire ça, vous allez nous porter la poire. La ville, elle change. La ville, elle change. Allez. Ouais, ça parle beaucoup en plus. Y a moyen. Non, mais ce qui va se passer, en fait, on va juste détruire Gloomhaven. Parce que ça faisait trop longtemps qu'on était capé en termes de richesse de la vraie nuit, tu vois. Rappelle-moi comment il s'appelle le jeu. Oui. Mais je dis juste que du coup, c'est la moitié du jeu, tu vois. Genre, on détruit Havre Nuit, puis on recommence sur des basses scènes, tu vois. Tout cramé pour recommencer, quoi. Non, bah, c'est fa, là, tu... T'es fa, c'est fa. Et oui, mon cœur s'emballe, Rosa. Mon cœur s'emballe. J'avais un des deux challenges, c'était qu'aucun des alliés devait finir épuisé. Comment dire que j'ai pas pris. En même temps, si on me laissait tanker, moi, je suis pour rien, hein. Ah. Oh. Ah. Alors, c'est quoi le truc? Alors. Quand l'ombre se téléporte, elle le fait dans le sens aigu d'une montre, en se déplaçant d'un hexagone marqué au suivant. Ok. Tous les mercenaires et la vocation subissent deux dégâts à la fin de chacun de leurs tours. Tous les mercenaires commencent avec trois malédictions. Genre, quoi. Peut-être que tu pourrais nous mettre la chanson de la vie. La chanson de la vie? Oui, parce que de toute façon, il est immunisé à la blessure. Ah, pas faux. Tu peux me laisser ta place, Sepha, avec ton... Sepha. Ton donneur. Mais pas Sepha, non, avec ton donneur. Ah, ouais. Dans ce cas-là... Bah, merci. On va faire ça. Oui, je sais que toi, tu me laisses ta place avec plaisir, Sepha, je le sais. C'est quoi ça, ce truc au milieu, là? C'est un truc de TP? Les trucs avec les ronds là, c'est justement les fameuses marques dans lesquelles il va se déplacer à côté, à chaque tour. Oh, il y a un coffre derrière, on est foutu. On va perdre Orwen. Bah évidemment. Vas-y, fonce dessus directement. Bon, c'est le but, hein. Remarque, je vais peut-être faire ça. Il peut pas être empoisonné, j'imagine. Ouais, il est pas drôle. On va faire ça. J'ai fini mon tour. Non mais 100% il va invoquer des bidules. Hein. Ah oui, non mais oui. Oui, ou alors il est tellement fort que chaque attaque il fait 40 de dégâts, tu vois. Genre, il a la gueule de bâtard. Hein. Comment c'est... Oh putain, c'est 12 de déplacement, 16 de dégâts. Faut vite que chouchou, vite. Ah non, ils vont tous se mettre fufu, j'en peux plus. 16, oui. C'est-à-dire que s'il touche Orwen, Orwen meurt. S'il touche le barde meurt. Mm-hmm. Non, mais il va se passer quelque chose. Waouh! En vrai, c'était bien. Des dégâts psychiques. Je prends l'ascendant mentalement. Mm-hmm. Attends, c'est quoi ça? Ah non, j'ai rien. Ah ouais, on se fait bénir. Oui. Bah, il nous faut ça. Enfin, je suis désolé, mais il nous faut au moins ça. En plus, on commence avec trois malédictions. Oh là 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 là. Ah ouais, par contre, faut que je trouve une solution pour soigner Brigitte. Parce qu'elle va pas recevoir les soins de la tribu. Bah, super. Ah, non. Ça va être sympa, ça. Bah, go, hein. Garde. Bonne chance, c'est super Orwen. Attends, je vais utiliser mon bouclier mystère. Ouais. Roby. Prends les dégâts, Roby. Pas sûr que ça fonctionne, non? Mais si. On a dit que le poison, ça servait à rien. Hein. Oui. Arrête-toi là, stop.
Le premier tri est bientôt passé. Moi je voulais aller chercher l'argent. Non, après, je pense que le boss attend deux phases en plus. Non. Bah attends, et 146 dégâts. Gars. Oui, mais tu vas voir qu'il va garder les PV qu'il a, mais qu'il va changer de phase. Non. 100%. Regarde-les. Souyane et Aldo. Non, mais j'en peux plus de vous. Et moi, je fais ça depuis le début, donc tu le savais. Bien. Aldo, ça va. Ouais, ça c'est mon rubis. Putain, 16 de dégâts. Putain, mais à chaque fois il t'a pas 16, je vois pas comment on peut le buter avant qu'il ne tue. Mais non, on va y arriver. Vous l'en décartez. C'est pas fou, il y a ça comme solution aussi. Mais oui. Oh, tu as joué vite, Soyan, ou pas? Je sais pas encore. Oui. Ok. Je pars du principe que tu as forcément joué plus vite que Brigitte. Je vais faire ça. Je pense que ça va être pas mal. Ah non, il faut que je fasse ça et ça. Ouais, ok. Ah mais j'ai pas beaucoup de cartes, moi, de base, déjà. Ah putain, c'est la même carte. Je suis pas dessous qui a 30 cartes utilisées, quoi. Ok, je fais ça comme ça, alors je tiens. Réfléchis encore un petit peu. 1, 2, 3, paf. 1, 2. Ou alors... Ou alors on fait ça. Oh putain. Je viens de voir le truc de Zuru. J'aime bien le gif qu'il a mis après Rosa. Ça correspond bien à notre soirée d'hier. Après, je pense que c'est un combat où tu mets une Juggernaut. Ouais, je pense aussi, quoi. Tu dis quoi? Tu sais, la carte Juggernaut. En 3 tours, tu peux pas te mourir. Ah, en oui, 3 oui. attaques. Sauf, oui, aucun... oh... Sauf qu'aucun ne perçoit ça. Ah bah voilà. Oh non. Le problème, c'est est-ce que c'est celui d'en bas, est-ce que c'est celui d'en haut? Oh non, ça fait dire que c'est pour mon cul. Oui. Ah mais c'est chiant, parce que ça veut dire que mon tour et Brigitte sert à rien. Mais putain. Non. Ça se trouve, il va se déplacer sur celle du bas, on sait pas sur laquelle il se déplace là. Ah. Ouais, s'il déplace celle du bas, c'est bien. S'il se déplace sur l'autre, c'est pas bien. C'est pas bien. Non, ça va pas être bien. Mais si, c'est bien. Mais... On lui a retiré 15 points de vie, les gars. Let's go. Ouais, mais on n'a pas encore vraiment tapé pour l'instant, quoi. Bon, ça, voilà. Zonnement, blessure, étourdissement. Comment ça, quoi? Bah, il fait empoisonnement, blessure, étourdissement sur une cible. Voilà. Yes. 10% de fait, c'est ça. Faut être optimiste. Mm-hmm. Oh, j'avoue que ça veut dire que je vais perdre totalement mon tour. J'ai envie de pleurer. Vas-y, bute-le. Donc. Mange. Elle était pour toi. Non. Ah putain, c'est celle d'avant. Salut. Ouf. Bah profites-en pour aller chercher le coffre. Bah je peux pas, je suis stun. Oui, c'est vrai. Je vais chercher le coffre alors. Non. C'est ça qui te rend encore plus fou. Non, tu reposes ce coffre. D'accord. Moi, je vais y aller. Non. Moi, je vais y aller. Bon, je me mets là. Attends. Vous êtes toujours méchant, c'est incroyable. Putain, on te laisse tout le temps pour une fois. En fait, tu mériterais vu ce que tu m'as fait la dernière fois, par contre. Les trois derniers coffres, tu les as récupérés, dont le dernier, t'avais 30 or. Ouais. Franchement, tu mériterais que je le fasse vu ce que tu m'as fait la dernière fois. C'est vrai. Rappelle-toi la semaine dernière. Que je voulais prendre Brigitte devant mes yeux. Pas dit. Rappelle-toi, il y avait deux tas d'or, j'en ai piqué un, t'as piqué l'autre. Voilà, je veux dire, vous le méritez tous les deux. Vous savez quoi, pour la peine. Hop. Oh non. Oh non. À
l'essor de la vengeance. Genre, il y a le méga boss de la mort. Et non, on joue à essayer de choper le... Et là, c'est une bombe. Et là, c'est une bombe. Oh, je croise tellement les doigts. C'est quoi? Hop là! Oh, tes boucles d'oreilles, de toute façon, elles sont nulles. On sait pas ce que c'est. Elles sont nulles. Le jeu est terminé, ouais. T'inquiète. Bah, je crois que je vais passer ma capacité. Je vais prendre un dégât. Mais attends, mais j'ai même pas eu le droit à la chanson. Mais si, t'as passé la capacité du soin, je pense. C'est ça. La capacité non. Que t'as passé, c'est ça. Oui, c'était le soin non. Que t'as passé. C'était pas ça. Si, si. Si, si. Si, y'a rien. Attends, qu'est-ce qu'il veut que je fasse là? J'entends ces petites pièces de monnaie sont trébuchantes dans l'inventaire là. Écoute, j'ai envie de petit pleurer. J'ai envie de petit pleurer. Ok, donc ça veut dire que c'est parti, y a pas de race. Mais si. C'est-à-dire que je vois des ténèbres, je prends les ténèbres. Non, arrête. Ah, on fait moins les malins maintenant. Arrête, arrête, sois pas comme ça. Je te trouve vachement aigri. Oui. Ouais. Allez, je suis aigri alors qu'on me vole mon argent. Super. Ton argent ? Mon argent ? Ça a été voté. À quel moment on a voté ça ? Alors, vous, non, moi, oui. Il est pas petit aigri, Sefa, il est grand aigri. Qu'est-ce que je vais faire comme bêtise ? De toute façon, tu le sais, tu le connais bien, Arwen, tu sais bien que dès qu'on prend un coffre, il est aigri. Ah bah, 100%. C'est pour ça qu'il était mauvais là sur je sais plus quel jeu où l'or était partagé. Solasta. Mauvais. Comment ça okay. Mauvais? Ah bah il était pas content au début quand on lui annonçait que c'était partagé, il était pas content. Ça m'a saoulé. Oh. Vous êtes méchant avec lui, moi je suis sûr qu'il était pas si. C'est toi qui a fait. C'est quand même toi là, Atsu, qui vient de te venger d'un truc qui s'est passé il y a une semaine. Il y a genre un an quoi. Bah, il y a une semaine! Non, il a raison, il y a un an, c'était l'année dernière. Ah, c'est. Il fait quoi ce tour-ci? Ok. Ok, alors. Il se déplace de 2. Ah! Not fun. Portée 3, attaque 6. Déjà, c'est plus une attaque 16. On peut me mettre là? Non, je vais y aller. Ok. Tu te sers des ténèbres ? Je sais plus. Non, mais de toute façon, en vrai, il est à tout. Et là, c'est le. En fait, c'est le boss de la partie 1 du jeu. C'est ça. Hein. C'est ce que Rosa a dit tout à l'heure. Rosa a dit, vous allez voir, non, Rosa a dit aussi, vous verrez sa piste fan du chapitre 1. Arrête sur l'écran. Est-ce que Rosa va finir le jeu, ça? Non, Rosa va finir le jeu. Ah. C'était pour nous vanner. Ah, ok. Bah, la vanne est pas mal, ouais. J'avoue aussi, hein. En 27 points de vie, qu'est-ce qu'on lui a mis? Bah, en vrai, on lui a bien mis, en vrai, hein, déjà. Hein. Oui, mais bon. On va vendre nos cartes, déjà? Ah, cool. Non, il va se passer un truc, c'est sûr. Je disais que t'avais dit que ça serait marqué fin chapitre 1 après le combat. Bon, j'ai une deuxième attaque, oui. Nice. Allez, on continue, on lâche rien. L'autre qui est à l'autre bout du monde. Ouais. Aldo est trop heureux. Alors. Là, ça me paraît bien pour toi. Parce que comme ça, peu importe où il se TP sur les dalles, tu seras à portée à chaque fois. Ouais. C'est moins bien. Bon, ça fait quand même 2. Ouais. Et maintenant, tactique de la fuite. Ouais, surtout qu'en plus, là, ça sert vraiment à rien, Brigitte, quoi. Oui. Bah si, elle vous empêche de mourir. Hein. Oui, voilà, avec le, à part le soin, c'est vrai qu'à côté, les malais, tout ça, ça sert pas, quoi. Pas sûr, parce que moi je prends pas de dégâts parce que je suis immunisé aux effets des scénarios. Ah, j'avoue que moi non plus, ouais, c'est vrai. Et Aldo. Bah, je vous déteste.
Par contre, il prend les dégâts à 7 PV, oh, tu vois. Oh. Oui, mais non, mais ça marche sur les mobs normaux, c'est bien ainsi, ça, c'était cool ça. Donc là. Bah. Eh ben en vrai, je. Bah, je vais passer en létalité déroutante en fait, dans ce cas-là. C'est quoi les mobs normaux? Létalité déroutante, c'est tous les adversaires subissent un désavantage sur toutes leurs attaques. Ah, c'est bien ça. Ouais. Il est pas immunisé? Non. Non, bah, mais il a pas l'air chiant. Par contre, il est immunisé à la confusion. Ouais, bah il est chiant. Hein. Mais tu peux le tenter quand même, je veux on dire. Teste. Allez, on teste, voilà. Part en prod. Repos court. Non, tu as pas supprimé la carte que je jouais. Voilà, merci. Litanée déroutante. Par contre, je n'ai pas de soins sur ce personnage pour moi-même. Ça, c'est pas fou. T'as pas une petite potion? Non, bah, il me reste une potion en 3 PV. Compliqué. Après, je vais me mettre au cac normalement. Moi, je suis pas de ces gens qui viennent invisibles, donc ils devraient m'attaquer, moi. Ouais, mais bah c'est con. Si t'espérais un truc de ah bah écoute, je veux une des fufus ou un truc de genre, tu rêves. Ah non, 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 non. Ok. Je disais juste que du coup, il attaquera pas quelqu'un d'autre. Ah, c'est le tour où si je fais un x0, ah, c'est pas vrai. Bah, il va se téléporter clockwise, il va aller là. Mais tu joues avant lui. Oui, c'est vrai. Donc. Oh. Oh là là. Ouais, faut espérer pas le x0. Voilà. Joli. Là. Joli. Moi j'ai dit que je faisais quoi? J'ai dit que je faisais ça. T'as, c'est vrai que c'est un peu un boss chiant pour, je sais, pour ton perso là, c'est celui-là que t'as. Tu peux faire plus 1 de dégâts par affliction qu'il y a sur le mob. Bah ouais. Putain, c'est un peu relou quoi. Bah pourquoi je peux pas utiliser ma dague? Ah. Il va apparaître ici. Il va taper Brigitte, je pense. Je pense qu'il me faut ça. Et je pense qu'il me faut. Si, la musique. J'avoue. Ça marche sur lui, ça? Ben, on va tester, écoute. Waouh! Elle fait mal, Brigitte, c'est rare. Pousse! Oui! Oui, de toute façon, il va se taper. Hein. Oui, voilà, heureusement. Oh là. Ah, Brigitte. C'est pas mal. Stun est blessé, donc ça veut dire que ça veut dire. Ouais, à l'aide. Bon, on a déjà fait un tiers. Ouais. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir, moi je dis. Bah, Brigitte va vite mourir, hein. Non, mais Soyan qui se soigne alors qu'il a pas pris un seul dégât, ça me fatigue. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je sais. C'est un bim, vengeance divine. Je m'en fous, c'est un x0 qui se barre. Divine, hein. Le but c'est qu'on tombe le boss. Grosse ouais. Vengeance divine. Je suis au cac donc j'ai des avantages sur cette attaque. Ah, c'est quand dégâts, même dégâts. Ouais. C'est quoi après que c'est tendu? Pendant 3 minutes, 3 secondes 30. Ouais, c'est un peu ça. Je vais mourir au prochain tour. On va faire ça. Attaque. Ça me fait. Et ça. Ah. Ben en vrai, je pense que c'est bon d'utiliser ça. Hein. Oui. Ça me fait un peu yesh, mais. Allez, on l'a presque mis Mimivi. Lulu. Ah, il m'en a plus la chanson qui soigne. Oui. Oh là. Oh.
Belle bête. Oh, ah là, il faut... la maîtrise. Il fait un déplacement de... 12. Ok. C'est un tour où il tue des gens. C'est un tour où on va... où je vais le prendre, je crois. T'as pas du décaler d'homme, pas désavantagé? Non, parce que j'ai l'attaque 1 qui arrive après. Ah oui, ok. Allez hop. On a fait la moitié du fight. Mmh. Allez. Oui, c'est ça. Il se déplace de 8, il fait des dégâts de 8. C'est ça. C'est un peu un boss, hein. C'est un peu violent. Bon, je vais cramer une carte. Ah oh, oui. Le pousse pas, hein. Non, non, non. Merde. Yes. Je ne le pousse pas. Il ne l'a pas poussé. Et je pense que je ne me déplace pas. Non, parce qu'il est privé. Ta carte, deux alliés peuvent machin, c'est incroyable ça. Ouais. C'est quoi la carte de deux alliés? Ah non, t'es stun. Ah putain, oui, elle est stun, Brigitte. Oh non, c'est trop dommage, c'était la meilleure carte à jouer maintenant. Ouais. J'ai joué quoi elle... Bah si, ça fonctionne. Ah non. Putain, deux alliés à portée de 3 ah, vie. Putain. Attaque 4. Endurini, t'arrives sa mère. Ah mais je peux même pas me faire... Oh non. Je peux même pas me soigner quoi, c'est non. Horrible. Non, je peux te plaindre. À cause du stun. Plains-toi. Okay. Bah écoute, dommage. Mais non, elle a, il a cramé une carte donc il meurt pas. Voilà, il meurt jamais. Sauf quand il meurt. Bon, là il a plus de carte. C'est un détail. Attends. Et ouais, mais ce que je viens de jouer, ça, c'est ça. Et ouais, putain. Ah, ok, oui. Faut que je brûle ça. Ok, vas-y, Sorgan. On pense que Brigitte va disparaître, hein. Non, je voulais pas. Merde, tant pis. Au revoir Brigitte. Mais c'était en tout cas, sympa. Son désavantage a été pratique. Voilà, comme disait Sefa, ça a servi 3 secondes 30 quoi. Bah non. Mais non, parce que là ça se trouve il va faire un x0. Ah, tu disais il a... Tu disais. T'as vraiment avec désavantage, il a fait quand même 2 plus 0 bien dégueulasse hein. Bah c'est simple, il lui reste 3 cartes. 4 cartes il lui reste. J'ai disparu hein, 100%. Tu la soignes pas? Tu crames pas une carte? Bah en fait oh. Ça sert à rien parce que j'ai brûlé deux cartes en fait total. Oh non, pas parce que carte-là. Blessure plus fin de tour. Je vais brûler deux cartes là ce tour-ci. Et je peux même pas repos long. Non c'est fini. Ça on a pas le choix. Celle-là, hein. Tout ça, tout ça. Allez, on a failli deux chairs. Oui. Compte sur vous, les gars. Allez, on fait ça comme ça. Et là, il y a un orage, ça. Il y a une phase 2 et une phase 3. Non. Ça. En tout cas, sa P2 il la fait pas. Parce que bon, commencer une P2 à 50 PV sur les 160 serait étonnant quand même. Tu me laisseras la glace, hein. Ah. Je voulais la prendre. Attends, je vérifie. Non, vas-y, prends-la, c'est pas grave. Les gens. Attaque normal. Ah non. Je l'ai plus. Bon bah putain. So long Brigitte hein. Oh. J'ai même pas eu l'occasion de... 12 x 5. je trouve ça incroyable ce qu'ils ont rajouté pour dire qu'elle est morte quand même quoi. Ouais. Ben...
suppose que la fuite ne marquera pas. Déplacement 3. Ah, attends, si, en fait. Déplacement 3, ouais. Ouais. Déplacement 3, il va aller taper Aldo, normalement. Yeah. Ouais, il est bien placé, hein. Pile poil à la tête du personnage. Sur cette carte-là. Allez! Fuite stratégique. Alors, un déplacement 3. Si je peux aller là, je vais me décaler avec Aldo. Hein. Je te laisse décale, ouais. Décale comment vite vite, quasiment sur deux mètres, à un doigt près. D'accord. Ah, oui. Ouais, alors je vais changer de place. T'as bien fait de me le dire. Soyan, tu utilises des éléments ou pas? Je sais pas encore ce que je joue. D'accord, tu me diras. Donc je peux pas te répondre pour l'instant. Ouais. La glace, je n'utiliserai pas, ça c'est sûr. D'accord, c'est plus les ténèbres qui m'intéressaient. Ah oui, mais tu sais bien que c'est moi, c'est ce que j'utilise, donc du coup. C'est bien, c'est pour ça que je te pose la question. Au prochain tour, elle sera morte. Je te demande avant de. C'est un peu compliqué de te la laisser. Je veux pas que tu me la laisses, je veux savoir si tu l'utilises. Oui. Tu utilises ? Oui. Ok, dans ce cas-là, on va faire comme ça. Et comme ça. Et on devrait faire quelque chose de sans patoche. Donc, dessous, tu bouges, on a dit. Oui. Sur quasiment deux mains. Sur quasi. Ok. Ok. Quoi ? Mais ça fait trois mains, ça ! Bah non, deux mains. Ah. Si tu t'es dit sur deux mains et un doigt en plus. Ah, j'ai compris. Quasiment deux mains, ça veut dire pas deux mains. C'est pas grave. On comprend pas toujours ce qu'il dit dessous. Mais non, si j'avais tout compris. Allez, vas-y ! Oh là là! Putain, il faut qu'il crève maintenant. Je peux plus. Oui. Oh! Vas-y Soyan, finis-le! Vas-y Soyan, fais-lui les fesses! Pète-lui le fiac! Ok, si tu fais un plus 1, il meurt au début de son tour. C'est bon, il est mort au début de son tour. Oh là là! Il est mort. Meurt. Voilà! GG! Voilà, on l'a eu. Mais alors! Oh putain, l'arnaque! C'est pas le boss, c'est pas le boss. C'est louche. Oui, je trouvais aussi que c'était un peu long. Avec un tintinement mécanique, les deux épées tombent sur le sol. Lester reste un instant immobile, une sorte d'incrédulité, traversant son visage balafré. Comment osez-vous, murmure-t-il d'une voix qui de doux est désormais devenue menaçante et éraillée. J'ai attendu des milliers d'années et vous prétendez me priver des fruits de mon labeur. La mort décrispe les mâchoires de Lester, mais son corps tient encore debout, comme suspendu par des cordes invisibles. Vous détruire ce corps et me bannir de ce plan d'existence, mais ça ne sera jamais suffisant. Éternel, je reviendrai et je me répéterai de ce monde une fois encore. Ouais, mais on sera plus là. Exact. Tout qui gagne aux dégâts infligés, je suis dévasté. Bien sûr. Et au coffre. J'entends pas les rageux. Defeat de Gloom. Une campagne, voilà. Voilà, on a fini le jeu. Non, on sait pas. La douleur s'estompe, vous remontez l'escalier à la lumière de jour, plus de secours. De vortex de sable noir. Tous les habitants de Havre Nuit rassemblés autour de vous émettent un soupir de soulagement lorsque vous émergez des profondeurs. Vous expliquez aux citoyens la nature du péril dont vous les avez protégés, ils se réjouissent et louent votre courage.
retenez voir Tourmente qui vous remercie chaleureusement mais refuse de vous apprendre davantage sur ce qui vient de se passer. Avec ce que vous avez dit dans le moment de panique, j'ai outrepassé mon serment, le danger est passé, ne parlons plus de cela. Oh. Putain. Mais pourquoi il y a des nouveaux trucs en stock là? Tiens. Comment ça, il y a des nouveaux trucs en stock? Pourquoi il y a des nouveaux trucs en stock là? Ça veut dire que ça serait pas fini. Non, mais arrêtez. Non, mais arrêtez. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, je crois que c'est fini. Ouais, c'est au cas où il nous resterait des quêtes, on pourrait aller chez le marchand. Let's et go de... oh, on a fini le jeu. On... Alors, c'est quoi le truc qu'il nous a mis là? Le charme protecteur. Ah, immunise contre empoisonnement et blessure. Ah, c'est trop bien. Armure des ombres. Lorsque vous suivez des dégâts d'attaque en vous ciblant, vous ne subissez pas de dégâts. Ok, pas mal. Bâton. Pendant votre attaque, prendre un élément pour ajouter plus 1 en attaque à la totalité de l'action d'attaque. Ouais. Okay. Plus le couteau noir qui fait que pendant ton attaque au corps à corps, tu ajoutes malédiction à une seule attaque. C'est trop bien ça. Voilà. Les bottes. Les bottes, c'est les soleils d'acier. Si vous vous déplacez dans l'hexagone ou moins pendant votre tour, vous gagnez un bouclier pour le round. Mais c'est trop bien ça. Et après, l'anneau de brutalité, à la fin de votre tour, vous trouvez une carte de votre main et effectuez immédiatement l'action supérieure. Mais c'est incroyable. On avait déjà le truc qui faisait l'action inférieure, la supérieure, et pendant votre tour, rafraîchissez tous vos dépensés, effectuez une action de type soin 3 sur vous-même et récupérez jusqu'à 2 de vos cartes défaussées. Ah oui, putain, cette boucle d'oreille que Tsu a ramassée est incroyable. Mais en fait, les objets qu'on a récupérés là, ouais. c'est les loot de quand on a passé richesse à la nuit 7, c'est ça? Ouais. Donc en fait, on aurait priorisé ça, on aurait eu des items broken pour finir le jeu. Oui. C'est ça. Et encore, là, ça peut encore monter, regarde. Ouais, je vois ça. Bon, c'était stylé, on a réussi à finir le jeu. Incroyable. Attends, je le double fini. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de capture sympa à faire pour la fin, c'est nul, ça. Par contre, Orwen. Ouais. Regarde le nombre de quêtes terminées. C'est pas satisfaisant du tout. Non, j'ai envie de pleurer. Hein. Et bah, du coup, on l'a fini. Bah oui, je me doute bien, il y a le DLC, il y a les DLC tout ça. Allez aussi en plus, quoi. Là. Qu'est-ce que tu nous as fait toi là? Le puits de l'infortuné, trouver le puits. Quoi? Oui mais non mais on n'a pas la personne, on n'a pas le personnage qui fait ça. C'est pour Ah, départ à retraite. Eh oui. De Ravioli? C'est la fin de Ravioli. Oh non, Ravioli. Et un nouveau modèle d'objet. Non, moi j'arrête là. C'est un sac à merde. Non, quoi. Moi, de toute façon, j'arrête là. Moi, le jeu était fini, j'arrête là. Voilà, j'ai fait mon screen. Elle était prête depuis au moins 2 sessions, mais j'attendais que ça. Ce petit bâtard. T'es trop fort, Orwen. T'es trop fort, on te mérite pas. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi tu es parti? Tu es parti? Ouais, il a raté. Bah, on l'a fini, hein. Je vais faire pareil, c'est long. Hop. Voilà. Oh là là, je pourrais même pas jouer avec Bull. Putain, on pourrait commencer Wild Army ce soir alors. Je sais pas combien de temps dure le tuto, donc j'hésite à le lancer, hein, j'avoue. Ah bon, je le lance pour le tuto. Allez hop. Oula. Ah bah, je veux bien voir le tuto. Bah, attends, je relance juste Gloom pour faire un screen du menu de départ. Et je lance du tableau des retraites, tu sais. Oui, 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 je vais faire ça. Ah, s'il te plaît. Ah, mais il faudrait qu'il m'invite dans la il faudrait qu'il me réinvite en Wen. Non, ça dépend, on a encore une quête à faire. Tu me réinvites en Wen? Ouais, il faut que je relance le jeu. Ah. Eh ben écoute, je vais faire le tuto ce soir alors. Allez. Ah, genre on a fini le jeu, j'en reviens pas. Pas trop heureux, hein. Ça nous pas a pris. Vraiment fini, mais. Ouais, mais on a fini la campagne. On l'a petit fini, quoi. Ouais, on a fini notre campagne. Ça nous a pris 1 an et demi. Ah bon, je pose ça là, mais j'ai l'impression qu'on avance plus vite depuis que c'est fait et plus là. Dis le mec qui s'est barré il y a 3 mois. Mais t'as participé aussi, Sefa. T'as fait un peu moins que nous, mais t'as fait 1 an et des poussières avec nous. Oui, t'as vachement participé, en vrai. Et puis, tu avais découvert des gameplays incroyables. Hein. Dis, quand on voit l'invite... Mais je sais pas, j'ai l'impression que le jeu, il a freeze. Ah. Ah non, c'est bon, il a des freeze. Allez, moi je vais tester le tuto maintenant.
Campagne, continuez. Donc c'est juste comment jouer, j'imagine. Comment jouer? Ah non, c'est ok. Ah, faire peut-être une première run solo. Jouer, nouvelle histoire. Oui, tu fais une nouvelle histoire et en fait, ça, le début fait partie du tuto. Mais d'accord, je sais pas. Okay. D'ailleurs, Cepha, si on joue à plusieurs, est-ce que tout le monde sort tape le tuto ou enfin, est-ce qu'on arrive directement, on est à tous les trois et enfin, tu sais peut-être pas en fait, je sais pas. En vrai, est-ce qu'il faudrait pas genre tenter de lancer une partie multi et faire le tuto? Ah mais en fait, c'est Steam qui a bugué. Ah merde. Attends, bouge pas, je peux te l'envoyer comme ça normalement. Vas-y, vas-y. Je t'ai vu ta bouche, hein. Envoyer un message. Tiens, je t'envoie le code de la session. Rejoindre une session, là il me demande le code, ouais. Envoyer sur Discord. Ouais. Ok. Je... C'est l'overlay qui est cassé. Ah. Oh là là, j'ai même pas pu jouer avec l'Homebeat. Ouais, t'es en train de te connecter, Sam. Oui, oui, je code. T'inquiète, quand on reviendra dans le jeu, sur le jeu dans 4 ans et qu'on fera un truc. Hop, vas-y, il faut juste que tu me donnes un des personnages. Tu peux récupérer ça, le journal des mercenaires. Putain, mais en fait, il est tellement long. À la retraite, à la retraite, à la retraite. Comme ça, on peut voilà. Juger les noms. Voilà. Alors, oui, comme je compte... c'est bien, comme je comptais le mettre sur Twitter, ça va être sympa. Et t'as l'eau du cul. Allez, du coup, on lance. Dans je l'avais oublié. Vas-y, en vrai, go lancer un multi. Et on teste non, le. Je pas le jeu encore. Mais jouer à deux. Je peux lancer un multi avec Cepha. Cepha, il l'a lancé aussi là. J'avoue, allez, avec Cepha et Tsu, et voilà. Oui. Cepha, vous avez été à jouer à Wild